C'est bon ? Bien, mesdames, messieurs, je vous prie de rejoindre vos places. Avant d'ouvrir très officiellement cette séance du Conseil municipal, je voudrais, en mon nom personnel, puisque j'ai présidé la délégation spéciale qui, pendant 2 mois, a assuré la continuité de la mission municipale, en compagnie de mon collègue Jean-François Leca, qui est là, et Gilles Gauthier, qui aujourd'hui, malheureusement, est absent, retenu par d'autres engagements. Je voudrais vous dire que nous sommes particulièrement heureux d'arriver d'abord au terme de cette mission et féliciter toutes celles et tous ceux qui, dans quelques minutes, vont s'installer et qui ont été élus au terme d'un processus démocratique qui s'est déroulé, disons-le très clairement, de façon complètement transparente. Et je veux remercier, je l'avais déjà fait au soir de l'annonce des résultats, l'ensemble des participants, élus ou non d'ailleurs, présidents, vice-présidents, assesseurs, scrutateurs, qui ont fait en sorte que ce scrutin se déroule dans de bonnes conditions, malgré le contexte sanitaire que vous connaissez, qui a été extrêmement difficile à gérer. Je sais que nous avons eu un appui efficace du docteur Sudre, il est quelque part par là, je suppose. En tout cas, je le remercie à nouveau parce que ce soutien, ce n'est pas notre métier, hein, ces questions sanitaires. Et là, nous avons été efficacement accompagnés. Nous avons fait en sorte que nous n'ayons pas de problème. Et encore aujourd'hui, vous voyez que toutes les dispositions sont prises pour qu'on puisse organiser cette séance dans les meilleures conditions. Donc, je souhaite aussi le remercier. Je voudrais terminer en remerciant l'ensemble du personnel municipal. Le personnel municipal, pendant 2 mois, a, comment dire, été fortement sollicité par nous. Nous avons eu un niveau d'exigence vis-à-vis d'eux, je le sais, et nos collègues le savent, extrêmement élevé, parce que nous étions dans un temps extrêmement contraint, 2 mois, et en même temps, assurer la continuité, organiser une élection et gérer un dispositif sanitaire complexe avec des agents qui aussi attrapaient le Covid, comme tout le monde. Tout cela n'était pas facile et je crois qu'ils ont fait preuve d'un sang-froid, d'une compétence et d'une loyauté absolue. Et je veux les remercier très, très solennellement aujourd'hui. Je l'avais fait à la proclamation des résultats, mais je le fais aujourd'hui à nouveau à l'ouverture de ce conseil municipal. J'en arrive au terme de mon propos. Je vais donc procéder à l'ouverture de la séance. La loi est extrêmement claire. La première séance est présidée par le doyen d'âge du conseil municipal. Je vais donc appeler M. Garcia à venir prendre la présidence de cette assemblée et je déclare ouverte la séance du conseil municipal. Si M. Garcia veut me rejoindre. Peut-être, Monsieur le Président, un dernier mot. Mon collègue et moi-même vous quitterons après l'élection du maire, car notre mission se termine au moment même où le maire est terminé. Et il est normal que ce soit les élus qui prennent pleinement le pouvoir. Nous nous sommes là désignés par l'État et l'État doit se retirer au moment où les élus prennent le relais. Monsieur le Président, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur Frodin. Mesdames, Messieurs, l'heure est à la mise en place du conseil municipal pour procéder à l'élection du maire de la ville de Saint-Rémy-de-Provence. À cet effet, je vais être appelé à faire venir pour siéger les membres élus. Pour ce faire, après avoir procédé à l'appel nominal des membres du Conseil, je vais donc vous faire l'appel. Et pour ce faire, en premier lieu, M. Hervé Cherubini est prié de se présenter au poste qui lui est attribué.
Madame Baudy Bouquet-Florine. Bouquet-Florine. Monsieur Favergent Yves. Madame Mistral Magali. Monsieur Colombé Gabriel. Madame Plo Isabelle. Monsieur Houlet Vincent. Madame Jodard Françoise. Monsieur Milan Henry. Madame Doris Juliette. Monsieur Marin Bernard. Madame Roussy Plancher Sophie. Monsieur Nègre Yves. Madame Ménard Catherine. Monsieur Ramage Benjamin. Madame Rubio Wild Mireille. Monsieur Arnold Martin. Madame Saladin Nathalie. Monsieur Clapier Pierre. Madame Montagu Claudia. Monsieur Roger Rodolphe. Madame Bali Mireille. J'en appelle à moi-même également. Monsieur Garcia Jean-Pierre. Monsieur Thomas Romain. Madame Salvatori Céline. Monsieur Morand Jean-Jacques. Madame Belle-Mère Diassi Marie-Pierre. Madame Royer Hervé Nathalie. Et enfin, suite à la démission de Jean-Pierre Rubio, j'en appelle Monsieur Bouterin Pascal. Ainsi, après avoir procédé à l'appel nominal des membres du Conseil, j'ai dénombré 29 conseillers présents et je constate que la condition du quorum est remplie. Toutes les personnes surnommées et régulièrement élues sont déclarées installées dans leur fonction de membres du Conseil municipal. Je prierai d'applaudir, messieurs et mesdames.
convient maintenant de nominer un secrétaire de séance. Pour la majorité, il a été proposé le nom de Gabriel Colombet. Pour l'opposition, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se présente ? Monsieur le Président, bonjour. Nous proposons Madame Céline Salvatori. Je vous remercie, Monsieur Thomas. Bien. J'invite donc le conseil municipal à procéder à l'élection du maire. Je rappelle qu'à l'application des articles L2122-4 et L2122-7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Il convient préalablement de constituer le bureau. Sont proposés comme assesseurs les deux conseillers les plus jeunes de chaque liste. En ce qui concerne la liste de M. Cherubini, sont proposés Juliette Doriz et Marie-Pierre Diassi. Ah, d'accord. Donc, cela correspond au secrétaire des deux listes. J'invite les candidats à se faire connaître. Oui, Monsieur le Président de séance, je suis candidat au poste de maire de Saint-Rémy-de-Provence. Merci. Y a-t-il un autre candidat ? Monsieur le Président, je suis également candidat au poste de maire. Bien. Donc, il y a deux candidatures pour l'élection au poste de maire. Nous allons donc distribuer les bulletins et pouvoir procéder à l'élection. Oui, c'est fait.
donc appuyer les deux assesseurs. Oui. Qui sont Juliette Doris et Marie-Pierre Diassi. Pour procéder au scrutin, nous allons appeler les deux assesseurs. Madame Juliette Doris et Marie-Pierre Diassi. Donc 29 enveloppes. Allez-y. Quand elles seront dépouillées, quand elles seront annoncées, vous direz qui. Donc le premier bulletin, c'est Hervé Chérubini. 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 Romain Thomas. Romain Thomas. Romain Thomas. Romain Thomas. Hervé Chérubini. 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 Romain Thomas. Hervé Chérubini. Et Romain Thomas. Okay.
donc 6 voix pour Monsieur Thomas. Vous avez dénombré 23. Mmh. 23 sur 23. Oui. 6 oui. Pour Thomas. Oui. Donc 15. Donc là, vous marquez. 29. Vous annoncez 23 et 6, la majorité absolue. Et là, vous proclamez. Ayant obtenu la majorité absolue. 21, 22, 23. Donc on a donc 23 voix pour Monsieur Chéru. Alors on a 6 voix pour Monsieur Thomas. Et 23 voix pour Monsieur Chérubini. Bien. Indication du nombre de votants, 29. Indication du nombre de suffrages exprimés, 29. Constatation de la majorité absolue, 23 pour M. Chérubini et 6 pour M. Romain Thomas. Ayant obtenu la majorité absolue, M. Chérubini est donc proclamé maire de Saint-Rémy-de-Provence. Eh bien, il vient le moment où je dois remettre l'écharpe à Monsieur le maire, en qualité de doyen, c'est ce que je vais m'exécuter. Aussitôt. Monsieur le maire, je vais vous demander de bien vouloir venir. Je suis à distance d'Yves Faverjon, donc me permettre d'enlever le masque pendant quelques instants. Merci à toutes et à tous pour votre présence particulièrement nombreuse ce matin. Je ne vous cache pas que je suis particulièrement ému
par cette confiance qui m'a été accordée, d'abord par les Serrémoises et les Serrémois, et ce matin par les élus du conseil municipal. Alors, certains d'entre vous pourraient se dire, ouais, oh, c'est la sixième fois qu'il est élu maire, il a l'habitude, donc ça doit aller, quoi. Mais en fait, non, c'est complètement l'inverse. C'est justement parce que c'est la sixième fois que je suis particulièrement ému, parce que, bon, c'était pas évident, quoi. C'est pas évident, la longévité, ce moment dans la vie publique, elle se fait de plus en plus rare, donc tout ça n'était pas écrit à l'avance. Donc, encore une fois, un immense merci. Je voudrais commencer par remercier les 5942 Saint-Rémoises et Saint-Rémois qui se sont déplacés dimanche dernier pour se rendre aux urnes. Pour une élection partielle, c'est un chiffre colossal, considérable. Normalement, quand il y a une élection partielle, le taux de participation est plus faible qu'aux élections classiques. Pourquoi ? Ben parce qu'il n'y a pas de campagne nationale, il n'y a pas une ambiance nationale autour d'une élection, c'est localisé. La presse nationale, évidemment, n'en parle pas. La presse régionale en parle, mais ça reste encore une fois focalisé sur la commune. Les télés nationales, bien sûr, ne s'intéressent pas forcément à Saint-Rémy. Et les télés régionales, à mon grand regret, ne l'ont pas fait non plus. Donc, logiquement, on est sur des taux de participation plus faibles que les élections normales. Là, ça a été l'inverse. On a un taux de participation au deuxième tour de 10 points supérieur au deuxième tour de 2020. Et ce, malgré la crise sanitaire qui se perpétue, puisque vous l'avez vu, hein, à part moi, exceptionnellement pendant quelques minutes, mais tout le monde porte le masque ce matin. Un certain nombre de personnes n'ont pas pu aller voter dimanche dernier parce qu'elles étaient atteintes du Covid ou cas contact. D'autres non vaccinés ont préféré rester chez elles. Mais malgré ce, 5942 Saint-Rémoises et Saint-Rémoises se sont déplacés aux urnes. Donc bravo, bravo à toutes et à tous. Je pense qu'on peut applaudir cette performance dans notre ville. Ça signifie, ça souligne et ça démontre le fort attachement de nos concitoyens à la vie municipale. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important, extrêmement intéressant. Ça prouve qu'on est une ville vivante avec des habitants qui s'intéressent au plus près au fonctionnement de notre commune. Je voudrais profiter de l'occasion pour féliciter et remercier les 120 personnes qui se sont présentées à ces élections municipales. 120 personnes, 120 de nos concitoyennes et concitoyens, répartis sur 4 listes. Je les rappelle, hein, la liste de M. Andrés, la liste de Mme Perrault-Ravez, la liste de M. Romain Thomas, dont 6 représentants sont là ce matin, et puis d'autres dans la salle, et puis notre liste. Donc, 120 personnes qui se sont engagées dans la vie publique, c'est très bien, et merci à elles toutes d'avoir fait vivre la démocratie. Je voudrais enfin remercier très, très, très chaleureusement, bon, il y en a beaucoup qui sont là ce matin, hein, les 3196 électrices et électeurs qui ont voté dimanche dernier pour notre liste. 3196. Vous l'avez lu dans la presse, hein, et puis vous pouvez vérifier, vous pouvez regarder dans les chiffres. C'est un record absolu. Jamais une liste aux élections municipales n'avait obtenu autant de voix. La forte participation et le score, comment on pourrait dire, relativement élevé que nous avons obtenu fait que, voilà, on est sur un nombre de voix exceptionnel, jamais atteint à Saint-Rémy. Alors, on pourrait évidemment se dire, youpi, bravo, on est content. Non, ce score nous oblige, et là je m'adresse plus particulièrement aux élus de la majorité municipale, nous devons nous montrer dignes de cette confiance forte que les Saint-Rémois nous ont accordée. Et nous devons nous en montrer dignes en nous remettant immédiatement au travail. J'avais annoncé dans la presse que nos 3 premières décisions consisteraient, 1, à réunir la cellule de crise sanitaire. Bien, aujourd'hui, nous sommes samedi, on l'a réunie lundi soir à 18h. Donc lundi soir à 18h, réunion de la cellule de crise sanitaire pour prendre des décisions importantes. Est-ce qu'on continue la vaccination? Est-ce qu'on l'arrête? Est-ce qu'on la continue pendant encore un certain temps? Enfin bref, je ne vais pas prendre la décision à la place de la cellule. On en débattra lundi soir. J'avais annoncé aussi également que dès la semaine prochaine, je signerai les délégations à l'ensemble des élus. Donc je vais commencer par les adjoints et je vais demander aux adjoints de recevoir
le plus rapidement possible toutes les Serremoises et toutes les Serremois qui sont en attente de rendez-vous depuis maintenant 2 mois et demi. Donc ça, ça va être la première des choses à faire. Ensuite, dans la semaine qui suit, au début de la semaine d'après, nous réunirons le conseil municipal pour nommer les représentants du conseil municipal dans toutes les instances où la ville siège. Alors, ça va de l'EHPAD au collège, en passant par un certain nombre d'associations, le cinéma, etc., etc. Donc il faut que la machine municipale se remette en route le plus rapidement possible. Alors, la machine municipale, elle ne s'est pas arrêtée. Simplement, le Code général des collectivités territoriales prévoit un certain nombre d'attributions que la délégation spéciale donc, possède, mais ce n'est pas toutes les attributions d'un conseil municipal, entre guillemets, normal. Donc il y a des choses qui n'ont pas pu se faire pendant 2 mois et demi, et il faut maintenant qu'on retrouve une situation, entre guillemets, normale, le plus rapidement possible. Je profite de l'occasion, au passage, pour saluer le travail et la présence de M. Frodin ainsi que de ses deux collègues. Ils ont tout à l'heure été applaudis et je trouve ça très bien. Ils ont assuré la continuité du service public municipal avec l'appui très important du personnel municipal que je vous demande d'applaudir parce qu'ils ont assuré la continuité du service public. Bravo à eux! Voilà. Donc, même si, comme le dit Barbara, le temps perdu ne se rattrape guère, le temps perdu ne se rattrape plus, on va essayer de mettre les bouchées doubles pour faire en sorte que le suivi des dossiers redémarre le plus vite possible et, évidemment, accompagné du contact avec les Serremois qui sont en attente. Voilà. Dernière chose. Les prochaines élections municipales, normalement, ça sera en mars 2026, donc dans 50 mois, si on compte bien. Je tiens à vous dire que nous allons essayer de travailler d'arrache-pied pendant ces 50 mois, et concernant les prochaines échéances, je préfère le dire clairement devant plusieurs dizaines, voire centaines de personnes, je prendrai la décision qui me concerne à la rentrée 2025. Pendant 3 ans et demi, je ne veux pas entendre parler de prochaines échéances. On est là pour servir Saint-Rémy et les Saint-Rémois. Voilà, ça a été dit. Dernier mot concernant la communauté de communes. On installe le conseil communautaire vendredi prochain. J'ai appelé tous mes collègues maires de la communauté de communes. Je leur ai dit que je me présenterai à la présidence de la communauté de communes. Bon, aucun m'a dissuadé de le faire. Donc, je pense que je peux compter sur leur soutien. Je les en remercie. Et donc, vendredi prochain, je serai candidat pour présider à nouveau la communauté de communes Vallée des Bois-Alpilles. Et je profite de l'occasion pour saluer et remercier M. Garnier, maire de Fontvieille, premier vice-président de la communauté de communes, qui, pendant 2 mois et demi, a assuré l'intérim. Et là aussi, avec toute l'équipe des agents de l'intercommunalité, a fait en sorte que le service public ait une continuité. Merci Gérard, qui est au fond de la salle. Et à vendredi prochain. On peut l'applaudir. Voilà, encore une fois, merci à toutes et à tous pour votre présence. Et puis maintenant, donc, on va poursuivre le cours de ce conseil municipal. Alors, lecture de la délibération sur l'élection du maire, ça c'est fait. Proclamation des résultats, c'est fait. Lecture de la délibération sur la création de 8 postes d'adjoints par le maire. Alors voilà. Je me permets de vous indiquer qu'en application des articles L21-22 alinéa 1 et L21-22 alinéa 2 du Code général des collectivités territoriales, la commune doit disposer au minimum d'un adjoint et au maximum d'un nombre d'adjoints correspondant à 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit 8 adjoints pour ce qui concerne Saint-Rémy. 30% de 29, ça fait 8, quelque chose. Donc voilà, nous avons droit à 8 adjoints. Au vu de ces éléments, il est proposé au conseil municipal de fixer à 8 le nombre des adjoints. C'est une délibération, Madame Morel, on doit voter. Donc, je vous propose de fixer à 8 le nombre des adjoints. Qui est contre ? Pas de contre. Qui s'abstient, pardon ?
Pas d'abstention. Unanimité. Merci. Alors, délibération sur l'élection des 8 adjoints au maire. Donc, je vous rappelle que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage, ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, donc une femme, un homme, une femme, un homme, ou un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme. Donc, est-ce qu'il y a des listes de candidats pour les 8 postes d'adjoint ? Oui, j'ai une liste à vous proposer, donc, pour les 8 postes. Je vous lis les noms qui vous sont proposés. Je commence par le mien, je m'en excuse. Mais ça, c'est pour la clarté des choses. Donc, le premier adjoint, Yves Favergeon. Deuxième adjoint, Florine Baudy-Bouquet. Troisième adjoint, Gabriel Colombet. Quatrième adjoint, Magali Mistral. Cinquième adjoint, Vincent Houlet. Sixième adjoint, Isabelle Plot. Septième adjoint, Henri Milan. Huitième adjoint, Françoise Jodard. Liste complète. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres propositions ? Monsieur Thomas. Monsieur le maire, nous proposons les candidatures suivantes. Monsieur Romain Thomas, Madame Céline Salvatori, Monsieur Jean-Jacques Moron, Madame Marie-Pierre Belmer-Diassi, Monsieur Pascal Bouterin, Madame Nathalie Royer-Hervé. Merci. Les candidatures étant enregistrées, nous pouvons procéder au vote.
Pas-de-Calais. Voilà. Si Madame Diassi et Madame Doris veulent bien revenir. Donc il y a 29 enveloppes. Oui. Donc le premier bulletin, c'est pour la liste « Défendons notre histoire, construisons notre avenir ». Défendons notre histoire. Défendons notre histoire, construisons notre avenir. Le renouveau Saint-Rémois. Défendons notre histoire, construisons notre avenir. 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 Le renouveau Saint-Rémois. Défendons notre histoire, construisons notre avenir. Défendons notre histoire, construisons notre avenir. Le renouveau Saint-Rémois. Le renouveau Saint-Rémois. Le renouveau Saint-Rémois. Le renouveau Saint-Rémois. Défendons notre histoire, construisons notre avenir. 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 Et défendons notre histoire, construisons notre avenir. Donc on a 6 bulletins pour le renouveau Saint-Rémois et 23 normalement pour la liste construisons, défendons notre histoire, construisons notre avenir. Ouais, 23 voix. Merci à toutes les deux. Donc, 29 votants, 29 exprimés.
La liste défendant notre histoire, construisant notre avenir, obtient 23 voix. La liste Le Renouveau Saint-Rémois obtient 6 voix. Donc, sont élus adjoints. Premier adjoint, donc, M. Yves Faverjon. Deuxième adjointe, Mme Florine Baudibouquet. Troisième adjoint, M. Gabriel Colombet. Quatrième adjointe, Mme Magali Mistral. Cinquième adjoint, M. Vincent Houlet. Sixième adjointe, Mme Isabelle Plour. Septième adjoint, M. Henri Milan. Et huitième adjointe, Mme Françoise Jodard. Voilà. Bravo. Et maintenant, on va passer à la remise des écharpes. Encore une fois, bravo à l'ensemble des adjoints, bravo à l'ensemble des élus. Les délégations vont arriver cette semaine et puis voilà, c'est reparti. Alors, la loi nous demande de lire la charte de l'élu local. Donc, je vais le faire, bien évidemment. Article L1111, alinéa 1 du Code général des collectivités territoriales, issu de la loi numéro 2015-366 du 31 mars 2015, visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat. Article 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité,
diligence, dignité, probité et intégrité. Article 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Article 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Article 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Article 5, il y en a 7, hein, je vous rassure. Article 5, dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Article 6, l'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Et enfin, article 7, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'Assemblée des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Voilà donc pour cette charte de l'élu local. Et maintenant, donc, Madame Brouille, on est bien d'accord, hein, ça c'est une lecture, il n'y a pas de mise aux voix. Hein. Ok. Donc maintenant, on passe à la délibération suivante. Il s'agit d'une délibération classique pour une installation de conseil municipal, la délégation du conseil municipal au maire. En fait, pour éviter que les conseils municipaux ne s'éternisent, la loi a prévu que le conseil municipal peut attribuer au maire un certain nombre de compétences qui normalement sont dévolues au conseil municipal, mais qui là permettent au maire de les exercer tout seul pour ne pas, encore une fois, trop charger les conseillers municipaux. Donc ça porte évidemment sur tout un tas de petites choses qui concernent le fonctionnement quotidien d'une collectivité et que le législateur a estimé ne pas devoir forcément passer en conseil municipal. Donc la délibération qui vous est proposée, c'est la même que celle qui a été proposée en 2020, le jour de l'installation du conseil municipal, et la même que celle qui a été proposée en 2014, en 2008, etc. Sauf une petite modification législative qui est intervenue entre-temps, mais bon, qui n'a pas, comment on pourrait dire, une importance folle. Voilà. Donc, je vais vous donner lecture des articles qui me paraissent les plus importants, parce que là, pour le coup, il n'y en a pas 7, hein, il y en a 29, comme le nombre de conseillers municipaux, donc c'est pas mal. Donc, je vais essayer de vous lire, de vous résumer, de vous lire les articles les plus importants. Voilà. Donc, le maire informe l'Assemblée qu'il convient de préciser la délégation accordée par le conseiller municipal à M. le maire pour la durée de son mandat. Suivent la citation donc, des articles du Code général du collectivité territoriale. Je vous en fais grâce. Donc, cette délégation permettrait d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. Ça, c'est comment dire, des actes d'urbanisme courants, on dira. Donc, fixer dans les limites déterminées par le conseil municipal les tarifs, les droits de voirie, les stationnements, etc. Encore une fois, ça commence par dans les limites déterminées par le conseil municipal. Donc, ça donne au maire le pouvoir de prendre des décisions derrière, mais c'est cadré d'abord par une délibération prise en conseil municipal. Ensuite, procéder dans les limites fixées par le conseil municipal à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget. Donc là, c'est pareil, hein, le budget il prévoit un certain nombre d'investissements avec en face des emprunts. Et là, le but de cette délibération, c'est de permettre au maire de contracter ces emprunts sans forcément repasser devant le conseil municipal, puisque le budget a déjà été adopté en conseil municipal. Ensuite, prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés, des accords cadres, ainsi que toute décision concernant le revenant, lorsque les crédits sont inscrits au budget. Là, c'est pareil, tous les marchés publics passent par délibération du conseil municipal. C'est juste derrière l'exécution des marchés. Bon, je passe sur le louage, les durées, les assurances, tout ça, encore une fois, c'est les fonctionnements quotidiens, pareil, le cimetière. Décider l'aliénation de gré à gré de biens immobiliers jusqu'à 4 600 euros. Vous voyez que la,
le plafond est relativement bas, quoi, hein. C'est 4 600 euros. Fixer les rémunérations et régler les frais honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts jusqu'à 10 000 euros. C'est-à-dire que si ça dépasse 10 000 euros, ça doit passer obligatoirement devant le conseiller municipal. Bon, ensuite, il est question des estimations par les services de domaine, les services municipaux, de création de classes dans les établissements d'enseignement, de reprise d'alignement. Bon, tout ça, c'est de l'urbanisme. Exercer au nom de la commune les droits de préemption, là c'est pareil, hein. Si la commune exerce son droit de préemption au moment de l'achat, de toute façon ça doit passer devant le conseil municipal, donc là c'est juste pour que le maire puisse le faire dans les fameux 2 mois. Voilà. Intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune les actions intentées contre elle, bon ça c'est on dira que c'est du juridique. Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite de 3 000 euros. Là aussi, vous constatez que le plafond est bas. Je passe sur les articles suivants. Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 200 000 euros. Alors, je vous rappelle que les lignes de trésorerie, ça doit être remboursé dans l'année et que ça n'a pas de conséquences sur budgétaire ni sur le compte administratif, hormis les quelques intérêts d'emprunt. Donc là, le montant maximum est fixé à 200 000 euros. Là aussi, c'est très bas pour une commune comme Saint-Rémy. Voilà. Après, exercer le droit de priorité. Bon, ça, je passe. Prendre les décisions mentionnées ci-dessus. Autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. Alors, évidemment, d'abord, ça passe par une délibération du conseil municipal pour y adhérer, hein. Donc après, c'est plus que du formalisme. Bon, et je passe sur les derniers articles. Voilà, encore une fois, ça correspond à ce qui a été adopté en 2020 et ce qui est adopté de manière classique dans l'ensemble des conseils municipaux de France. Voilà pour cette délibération. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Pas d'intervention. Qui est contre cette proposition de délégation du conseil municipal au maire? Pas de contre. Abstention? Pas d'abstention. Unanimité, je vous remercie. Alors, nous en avons terminé avec cette séance du conseil municipal. Je souhaite vous remercier toutes et tous. Comme lors de chaque installation du conseil municipal, il y aura un dépôt de gerbes au monument aux morts. Alors, il est quelle heure, Madame Borges? 11h30. Alors, il est 11h30, je vous propose que l'on se retrouve vers 12h30 devant le monument aux morts, après le petit apéritif qui est prévu dans cette salle. Voilà, nous irons déposer une gerbe, comme lors de chaque installation du conseil municipal. Encore une fois, mais, oui, monsieur Romain Thomas a demandé la parole. Excusez-moi, monsieur le maire, je voulais prendre la parole quelques minutes, d'abord pour vous féliciter pour votre élection, pour féliciter les adjoints qui ont été élus ce matin. Vous souhaitez, au nom de notre groupe et de nos électeurs, bonne chance pour les 4 années qui viennent. Ces 4 années vont être importantes pour notre commune, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Et donc, dans l'intérêt de notre commune, nous allons travailler au sein du conseil municipal jusqu'en 2026. Je m'associe à vos hommages, à la fois au personnel municipal qui a travaillé pendant ces 3 mois si particuliers, aux administrateurs de la délégation spéciale qui ont géré les affaires courantes de notre commune. Et puis également, je m'associe à l'hommage que vous avez rendu à l'ensemble des électeurs qui se sont rendus aux urnes les 23 et 30 janvier. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour Saint-Rémy, qu'il y a eu une participation, vous l'avez rappelé, aussi forte, aussi massive, pour une élection partielle qui, dans d'autres communes, n'a pas suscité autant d'enthousiasme et d'engouement pour la participation. Donc vraiment un grand bravo à toutes les Saint-Rémoises et à tous les Saint-Rémois qui se sont déplacés. Je crois qu'on peut s'en réjouir. Je voudrais remercier évidemment tout particulièrement les 2 586 électeurs qui nous ont fait confiance le 30 janvier, qui ont voté pour la liste du Renouveau Saint-Rémois, leur dire que nous allons, au sein de ce conseil municipal, être leur porte-parole. Nous allons exprimer leurs attentes, leurs exigences, leurs propositions. Nous le ferons avec responsabilité, avec pugnacité, mais également avec vigilance. Il y a des moments où nous serons d'accord et nous le dirons. Il y a des moments où nous ne serons pas d'accord et nous le dirons également, dans un esprit de respect et dans un esprit constructif. C'est dans ce climat-là que nous souhaitons travailler au sein de notre conseil municipal. Puisque la campagne électorale est terminée, puisque les Saint-Rémois ont fait leur choix,
vous me permettrez, monsieur le maire, d'aborder un sujet qui concerne à la fois le présent et l'avenir de notre commune. D'ailleurs, ça a été, vous avez mentionné dans les délégations qui étaient contenues dans les délibérations précédemment lues. Je voudrais juste dire un mot sur l'avenir de nos enfants et l'avenir de nos écoles. Juste en vous signalant que malheureusement, il est possible, je dis bien il est possible, qu'une nouvelle classe ferme à la rentrée scolaire prochaine, à l'école de la République. Et mon message ce matin, ce n'est pas de polémiquer ou de pleurer sur l'air renversé, c'est de vous dire qu'ensemble, nous pourrions travailler, peut-être à l'éviter, et en tout cas vous dire que notre groupe est prêt à s'associer à toutes les démarches que vous pourrez faire ou que vous devrez faire auprès des autorités académiques pour l'éviter, parce que, quoi qu'on pense des uns des autres, quels que soient les choix qu'on a faits ensemble, je pense qu'il est important qu'on puisse s'unir et se rassembler autour de l'avenir de nos enfants et de l'avenir de nos écoles. C'est ce message-là que je voulais vous délivrer ce matin. Je vous remercie pour votre attention. Merci, monsieur Thomas, pour cette intervention. Je suis d'accord avec 90% de ce que vous avez dit. Comment quoi, tout arrive. Concernant l'école, ben évidemment, on fera comme on a toujours fait. Hein. On essaiera de faire le maximum pour éviter une fermeture de classe. Mais là aussi, sans esprit polémique, de la même manière que vous venez de le faire, je pense vraiment, et c'est un débat et une discussion qu'il faudra qu'on continue à avoir, que pour ne pas fermer de classe, il faut qu'on produise du logement dans cette ville. Quoi. Vraiment. Sinon, on va devant les pires difficultés. Donc, encore une fois, je ne veux pas ouvrir le débat, je ne veux pas, mais bon, on se battra ensemble, je suis entièrement d'accord, pour essayer d'éviter les fermetures de classe. Je vais aborder en conclusion un sujet qui n'a rien à voir avec la séance de ce matin. Simplement, je voudrais profiter d'avoir plusieurs dizaines ou centaines de Saint-Rémois devant moi. En ce moment, s'effectue le recensement. C'est extrêmement important pour notre ville, parce que vous le savez, plus nous serons nombreux, plus nous aurons de dotations de l'État. Donc on a tout intérêt à être le plus nombreux possible. Donc le recensement se fait. Je vous demande vraiment instamment de tout faire pour y répondre le plus largement et le plus correctement possible. Il faut absolument qu'on puisse retrouver à Saint-Rémy le véritable nombre d'habitants qu'on a. Et ça passe par un recensement total. Et non pas partiel comme ça se faisait jusqu'à présent. Donc là, toute la ville va être recensée. Donc participez à ce recensement, faites participer vos voisins, faisons en sorte que tous les Saint-Rémois qui habitent à Saint-Rémy puissent être recensés. Et je pense que là-dessus, tout le monde sera d'accord. Voilà, cette séance est terminée, elle va être levée. Et je remercie le personnel municipal qui nous a préparé un sympathique apéritif. Voilà, merci à toutes et à tous.